Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 17ème épisode de notre Let's Play sur le mode Légende de Hyrule Warriors Definitive Edition sur Switch. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, on est toujours au choix du scénario. On a fait la bataille, sa véritable apparence dans l'histoire de Lincoln, qui a été relativement simple, dirons-nous. Où on a affronté un Xanto et une Midona noire, avec Midona sous sa véritable forme. C'est une bataille très très sympathique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller voir l'épisode d'hier, vous allez voir, ça vaut le détour. Aujourd'hui, on va reprendre l'histoire principale dans les Gorges de l'Anel, où on était il y a quelques épisodes. Sauf que maintenant, on a toute la clique avec nous, on a l'élément lumière. Autant dire que ça risque de bien tataner des choses dans les chaumières. Avant de commencer, je rappelle que c'est les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, hashtag épique EPIC et hashtag fail, fail, plus ce moment exact, vous pouvez le voir juste à la compile. Et j'ai oublié de vous le dire dans l'épisode d'hier, mais si jamais vous remarquez qu'il y a des frises à un moment donné, n'hésitez pas à me le dire, je réuploaderai la vidéo dès que possible, parce qu'apparemment, ça a l'air de les corriger, donc... On sait-on jamais. Allez, direction les Gorges de l'Anel. Donc on a tout ce petit monde, mais de toute façon, nous, on y va avec ce cher Link. Et bien sûr, l'épée de légende, sinon c'est pas drôle. Ok, et ben, allons-y. Submergé par des doubles noirs, Link comprit que son orgueil risquait de lui coûter la vie. Au dernier moment, ses compagnons le sortirent de cette situation désespérée. L'épée de légende était une arme remarquable, mais son vrai pouvoir ne pouvait être utilisé que par quelqu'un qui comprenait les liens de l'amitié. L'armée d'Hyrule avait trouvé un nouveau souffle, mais la plus grande partie du monde était toujours sous l'emprise de Sia. Le seul moyen de sauver Hyrule était de la vaincre. L'armée d'Hyrule se mit en marche vers la vallée de la sorcière pour y mener une bataille décisive. Mais malgré son avantage écrasant, Sia ne comptait pas rester sans rien faire. Elle trouva de nouveaux moyens de renforcer ses troupes en utilisant sa propre énergie vitale. Peu importait si cela lui devait lui coûter la vie, du moment qu'elle écrasait ses ennemis. La bataille finale entre les armées de la lumière et des ténèbres était sur le point de commencer. Alors, on est de retour sur cette carte. Alors, donc on a Link qui est de ce côté-là, Lana, Darunia qui est de l'autre côté, Zelda qui est de l'autre côté, Impa qui est de l'autre côté, Midona qui est avec nous. Donc, Link, Lana, Midona, Darunia, Impa, Zelda de l'autre côté. Ah, Fay est avec nous aussi, donc on a des capitaines d'Hyrule. Ok. Ah ouais, la sœur, donc Sia, Volga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 Dinolphos et 6 âmes de glace. Toi aussi, il y a pour raconter avec Babouliné. Et on a plein de forts, donc les sanctuaires. Alors, on n'a aucun fort, donc autant dire, il va falloir qu'on prenne plein de trucs. Situation. Il faut vaincre Sia sans que Zelda ne s'enfuit. C'est on ne peut plus simple sur le papier, mais qu'en est-il sur le terrain? On va le découvrir dès maintenant. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu ici. La dernière fois, il y avait Manandla qui nous trollait. Retour aux Gorges de l'Anel pour ce qui semble être une confrontation finale. Nous sommes arrivés dans la vallée de la sorcière et nos forces ont été divisées à l'est et à l'ouest. Eh, hey, yo les dudes! Les forces des ténèbres grandissent. Je vais balayer l'armée d'Hyrule. Ok, le moral d'une partie de l'armée de la sorcière augmente. Non. Même pas en rêve. Boum, un Dinolphos de moins. Ok, donc il y a un premier fort par là-bas, on va aller le prendre. Moi, je vais charger mes coups fatals tant qu'à faire. C'est la bataille finale contre Sia. Nous devons la remporter pour la gloire de son Altesse et Hyrule. C'est moi qui remporterai cette bataille, vous allez bientôt le comprendre. Elle est dude. Ouverture de la salle ouest des ruines. Ok. Boss du fort. Salut. Je commence à avoir des reflets sur... Attends. L'armée de la sorcière avance vers Zelda. C'est une mort, femme, j'arrive. Oh, une âme de glace, je vais m'en occuper. L'armée d'Hyrule a pris le contrôle du sanctuaire ouest. Ok. Ok, bye bye l'âme de glace. Ah, mais c'est super puissant cette charge. Ok. La physionomie de la carte a un peu changé depuis notre dernière bataille quand même. Zelda a repéré le sanctuaire est. Très bien. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Que se passe-t-il? Vous voyez cette énergie magique montée vers le ciel? Ce sont les sanctuaires de la déesse. Ok, faut prendre les sanctuaires de la déesse scellée. J'en ai déjà un, c'est très bien. Zelda avance sur le... Oh, regardez-moi tout ce monde. Allez. Faille avance sur le sanctuaire. Ouais, bah vas-y, moi je prends tout ce petit monde. Je vais tellement tous vous tataner la gueule. Où est le boss du fort que je m'occupe de son cas? Ah, le boss du fort est là-bas. J'adore comme ça installe fausse d'Ocarina of Time. Ok. Attends. Allez, 3 Dinolphos d'un coup. Là qu'il faudrait peut-être qu'on s'occupe des sanctuaires. Hein. Attends, on va dégager des Dinolphos. Qui est en difficulté? Impa est en difficulté. Ok, qui... Attends, Lana est où? Lana est là. Darunia est pas très là. On va y aller avec Darunia. On va les filer un coup de patte. Bah, je sais même pas si on peut parler de pattes pour un gourou. Allez! Keep rolling, 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 rolling. Come on! Keep rolling, rolling, rolling. Come on! Keep rolling, rolling, rolling. On. Le Dinolfo, ça fait fuir Impa. Ah merde! Oh punaise! Je viens de voir que Darunia était dans la merde. Attends. On va essayer de prendre le fort. Le sculpture est apparu sur le champ de bataille. Waouh. Ah ok, s'il y a un des personnages qu'on... Si le personnage qu'on contrôle meurt, c'est... Waouh. Ah c'est violent, hein. Bon. Bon, on va essayer de revenir jusque là, hein. Je pense... Au moins en épalant, je pense qu'on va pouvoir y aller tout de suite. Allez. Allez, on y va. Bon bah du coup, il y aura probablement pas de coupure parce qu'on a repris plus ou moins où on en était. Attends. Je vois pas du tout... Ah, c'est par là. Eh non, l'ennemi n'a pas l'avantage. Il te fait des idées. Je vais m'occuper de prendre cette zone. Bah mais la sorcière avance maintenant vers Zelda. Ah oui, mais attends, mais ils font super mal ces enfoirés, hein. Attends. La magie tiers renforce une partie de l'armée de la sorcière. D'ailleurs, où est le boss du fort que je puisse justement reprendre le sanctuaire? Hé hey. Wesh les dudes. L'armée de la sorcière avance vers Fai. Ok, le boss du fort est là. Level up pour Darunia. Attends, boss du fort est là, je vais m'occuper de lui. Hop. Mince, il est juste à côté. Où es-tu, petit... Ok. Continuez à prendre le contrôle du sanctuaire S. Bah oui, c'est ce que je fais. Voilà, c'est bon. Sanctuaire S est à nous. On a pris l'autre pourtant. On a pris le sanctuaire. On a pris le sanctuaire ouest aussi, j'ai déjà pris. Ok, c'est bon, mais j'allais dire. Allez. Ok, la suite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ok, la puissance des TM n'a pas disparu. Bah attends, c'est juste qu'il y a d'autres trucs à prendre, c'est tout. Ok, il devrait y avoir un autre sanctuaire, ok. Ah bah il y a une espèce de fontaine de la déesse quelque part. Trouvez et prenez le dernier sanctuaire. Je vais y aller avec Link. Attends. Eh monsieur le Dinolfo, c'était moche, voilà. Je pense avoir une idée d'où il est. J'aurais tendance à dire que c'est le truc marqué avec le symbole de la Triforce. Ah, tu crois que tu t'en souviens? Je pense avoir une idée, on va voir si on se dirige vers le même endroit. Lana recherche le dernier sanctuaire de l'Est. Moi je vais ici, Châtelet Ouest. Hé, hey, l'âme, t'es moche! Il y a un fort sur mon chemin, on va le prendre. Oui, monsieur le boss du fort. Je vois pas le boss du fort.
Ah mince, Capitaine Hyrule qui va s'enfuir. Ok, à nous le fort. Je suis où? Je suis là. On va aller filer un coup de patte par ici. Une sculpture est apparue sur le champ de bataille. Oui, ben écoute, j'ai pas que ça à faire que d'entendre les screech screech. Non, il est pas ici. Ouah, alors là, bravo, je suis impressionné. C'est une mort femme. Les chances de survie sont de plus en plus faibles. Mince. Il se fout là-bas toute seule aussi. Ok, attends. On va aller filer un coup de main à la madame. On va faire vite. Tu n'aimes pas la tournure que prennent les choses. Bah ouais, bah en même temps, je fais ce que je peux. Hein. Marc, c'est vrai que je pourrais donner des astuces de sanctuaire. Oh, j'y vais. Oula, mais pourquoi il y a autant de monde? Eh oh. Ok, un Dinolphos de moins. Chute du sanctuaire est imminente. Merde. Attends, est-ce qu'on peut donner des ordres? Lana, t'es où? Darunia, t'es là. Va filer un coup de main au sanctuaire est. Remarque au pire. Voilà, je vais le prendre moi-même. Je vais prendre les choses en main. Tiens, prends des bombes. Allez. Oh nice, un coup moins faible. Oh nice, la bombe a suffi. C'était bon, le sanctuaire était bien ici, ok. Ok, bon, on va passer sur Lana. On est là, ok. Trompez-nous, on fait fuir Midona, mais merde! Laissez-nous tranquille, bordel! Ah, c'est dommage, ça. J'espère juste qu'on n'aura pas besoin d'elle. Ok, où est le boss du fort? Il est là. Ah, j'ai pas de coup fatal. Bon, bah tant pis, on va y aller avec un coup normal. Ok, on a le sanctuaire sud. On a le contrôle de tous les sanctuaires de la déesse, excellent. Le moral de l'armée de la sorcière baisse, yes. Ok, les ennemis semblent affaiblis, ça c'est très très bien. Ils ont réussi à récupérer tous les sanctuaires, ils sont plus forts que je ne l'aurais pensé. Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh ah. Très bien, je vais vous donner une bonne leçon. Wow. Des portes des âmes. Wow. Là, tu as finalement... Idiote! Il a finalement pété les plombs, ouais. L'armée de la sorcière a reçu des renforts. Sia! Oh, mais elle était là, la sculpture là, boum! Parfait! Ok, alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Faut qu'on avance sur Sia pour la tataner, je suppose. Les portes de la fontaine de la déesse sont ouvertes. Ok, excellent. Je vais y aller avec Link. Link est pas loin. Link est où? Il est là. Ouais, il est juste à côté. Bon, par contre, attends. Faut que je fasse pause 2 secondes. J'ai des reflets du soleil. Je vois que dalle à ce qui se passe. J'en reviens tout de suite. Adréalé. Non, parce que bon, quand tu joues à un jeu, que t'as une zone qui est sombre, et que t'as le soleil qui fait « Hey, je t'éclaire !» Ouais, c'est bon, j'y suis. Où est Zelda, d'ailleurs?
Je suis en train de me dire, on peut amener tout le monde à la forteresse, à la fontaine de la déesse, ça devrait aller. Oh god, attends. Attends, le Dinofos qui avance sur Zelda. Eh, coucou! Ah mais non, Link reste ici! Escorter Zelda jusqu'à la fontaine de la... Ok, ah, Zelda est pas très loin. On va y aller avec Lyanna, c'est celle qui est la plus proche. Attirer autant d'ennemis possible devant la fontaine. Quand Zelda est là. Ok. Attirer l'ennemi vers la fontaine et activer le cercle. Ok. Attends. Vilain Dinolfos, vilain. Touché. Non mais oh! Darunia va avancer vers l'âme de glace pour l'attirer. Ok. Où est Darunia? Où est l'âme de glace? Eh ben allons-y. Eh, hey, l'âme de glace! Attirer le Dinolfos devant la fontaine de la déesse. Viens ici! Viens ici, petite âme de glace. Allez, suivez-moi. C'est le moment de faire un petit tour. Allez, venez. On va faire un petit tour. Regardez. Je vais vous montrer à quel point c'est beau par ici. Alors voilà, vous avez un fort par ici. Un fort qui remonte au 17e siècle. L'âme de glace, viens ici. Viens voir tonton Darunia. Voilà. Viens voir tonton Darunia, tu vas voir. Chute sans courroie est imminente, merde. Attends. On va tataner ce truc là. Les points de vie, on les prend. Eh, hey, l'âme de glace, je suis là. Voilà, regarde, faut venir ici. Viens ici. Viens ici, petite âme de glace, regarde, je suis là. Alors, Link, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a un ennemi qui est là. Hé, le Dinolfos, viens là. Allez, viens là, poteau, viens, copain. Copain, Dinolfos, copain. Bah, il est où? Dinolfos a été repéré, viens ici. Voilà. Viens là, mon grand. Allez, suis-moi. Je vais t'amener vers un endroit absolument merveilleux. Ah, mais la sorcière a pris la fontaine de la déesse d'assaut, évidemment. Allez, on y est presque. Maintenant, on va filer un coup de panne, regarde. Tu ne seras pas toute seule, Zelda. Tu ne seras pas toute seule. Ça, je te le jure. Volga entre dans la zone affectée par un cercle magique. Merde. Ah merde, Volga est là. Attends. Oui, tu failles. Attends, le Dinolfos c'est là. Viens ici. Voilà. Oh, Faille a besoin d'aide. Faille est là. Coucou, Faille. C'est bon. Voilà, on va dégager celui-là. Où est le Dinolfos qui m'a repéré? Il est où? Celui que je dois amener. Eh oh, monsieur le Dinolfos, tu es où? La sculpture s'est enfuie, mais je l'ai tatané. Attends, il est où le dernier ennemi à amener? Parce qu'on a l'âme de glace. Prenez la salesse des ruines où se dirige le garde. Ouais, bah tu m'excuseras, là pour l'instant j'ai pas le temps. Il y a un boss de fort là-bas, on va aller le tataner. Voilà, on a le contrôle du châtelet est, on est dans une meilleure posture. Non. Ok, bye bye l'âme de glace. Mais où est le dernier ennemi? Ils ont amené des ennemis à la fontaine de glace, mais je sais pas. Ah, faut escorter Zelda, pardon. Attends, hé. Hey. Zelda atteint la fontaine de la déesse, yes. Je pense qu'il faut qu'on y aille. Bon, on va faire un saut à la fontaine de la déesse. Hein. En plus, c'est juste à côté, allons-y. Ouais. On établit la base ici, d'accord. Les conditions de défaite ont changé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ne laisser ni Zelda. Ok, faut que rien ne tombe. Très bien. Waouh, doucement là. Ouais, je suis là, t'inquiète. Je suis là, j'ai infilé un coup de patte. Vous êtes tous là? Je suis du Châtelet West Simeon. Bah, va falloir vous défendre un peu, les gars. Hein. Allez, on y va. Activation du cercle magique. C'est parti. Bonjour, chère madame, nous avons besoin d'aide, s'il vous plaît.
Alors qu'est-ce qu'elle nous fait? Un symbole! Oh, carrément le blason de la famille royale Zirul, attention! Ah mais plus de lumière là! Là c'est le jugement dernier, hein, c'est littéralement ça. 377 kills. Ok. Et si j'allais m'occuper de Volga? Ah, si on dégageait Volga? Volga, t'es rien qu'un pimpon. Allez, bye bye Volga. Oh, j'ai plus beaucoup de points de vie. J'ai besoin de points de vie. Allez, chef de poste, je vais le tataner. Pourquoi personne ne réagit là? Remarque, je vais aller à la salle des ruines, parce qu'après tout, il faut la prendre. Tant qu'à faire, on va y aller maintenant. Volga restaure son énergie vitale avec les pouvoirs des... Attends, y a pas des points de vie ici. Éliminer Volga, bah je l'ai fait. Voilà, merci. J'adore quand je fais l'émission avant qu'on me les donne, c'est genre, il faudrait que tu fasses, c'est fait. Ok, bon, Volga ne regrette rien. Bah écoute, c'est bien, au moins tu assumes le fait d'être une pauvre merde. Des cœurs, nid de cœur. Ouverture des portes principales des ruines, yes. Ça sent la grosse baston. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les rubis, c'est pas le plus important. Bon, moi de toute façon, je vais prendre la salesse des ruines, puis ensuite, je vais aller m'occuper de Sia. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'on s'occupe pas d'elle. Sia crée des doubles d'elle-même grâce au pouvoir des ténèbres. C'est parfait! Regardez, j'y suis. Wow, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, chère madame. Oh, très intéressant. Attention, il y a des jeunes qui regardent. Hein. Sorcière noire, Sia. Éliminer Sia une bonne fois pour toutes. Attends, on va juste m'occuper du garde dans un premier temps. J'étais venu pour ça, voilà. Moi j'aimerais bien prendre un level parce que j'ai besoin de points de vie là. Allez, est-ce qu'on peut dégager l'âme de glace? Ok, est-ce qu'on peut dégager le Dinolfos maintenant? Ok. Allez, on est pas très loin du level up. Bon, Sia est là. Sia commence à amplifier ses pouvoirs magiques. Attends, on va faire un petit coup fatal histoire de prendre la salle. Voilà. Bon, je prends le trésor et je m'occupe de la dame. Attends. Des cœurs. Ouais! Non, vilaine Sia, vilaine Sia. Éliminer immédiatement la totalité des Sia, bah allons-y. Eh, prends un coup fatal, madame Sia. Allez, je vais m'occuper de toi, tu vas voir. Ok, mission secondaire accomplie. Non! Chut, couchez, vilaine, couchez. Au panier, Sia, au panier! Ok, puis le level up est bon. Ok, on va aller prendre la salle ouest, puis ensuite on va aller dans la base principale. Ah, le niveau, le level up, il est arrivé pile au bon moment. Attention, un de mes doubles, il y a plusieurs doubles, donc tu m'as un S à double, madame. C'est pas parce que tu es méchante qu'il faut pas avoir une bonne grammaire. Attention. Oui, même dans ces conditions, je suis un grammaire nazi, et alors? Ok, on prend la salueuse comme ça. Si ya. Eh là, tu vas pas te balancer sur le chandelier, hein. Ah ouais, c'est la chanson. Si ya. I'm gonna swing from the chandelier. C'est pas le rythme, mais on s'en bat les couilles. Ok. 2 Sia sur 4 éliminés. Salut ma belle. Allez. Viens ici ma jolie. Par contre, après tout ça, si tu revis et que tu veux qu'on se fasse un truc ensemble, y a pas de problème. Vous êtes donc magacé, bah en même temps, t'as qu'à pas être un gros belet, hein, écoute. Allez, 3 Sia sur 4. Allez, maintenant on va l'affronter l'original. Salut ma belle! Attends, elle vient de créer. J'allais dire, elle vient de créer un Darkling là, non? Boom! Non. Je suis désolé, Sia, on peut pas te laisser faire ça. Coup fatal!
De toute façon, il y a probablement deux phases au combat, je suppose. Attends, je reprends un coup fatal, merci. Oh, des rubis, ça va. Ça me va très bien. Allez, on remet un coup fatal, non. Je te laisse pas faire, t'as pas de chance. Allez, viens là, ma belle. Je crois que c'est fini. On a vaincu Sia. Donc on a un matériau qui lui appartient. Lana, c'est toi qui m'as arrêté. Sia! Sia! Tu es mon autre moitié. Tu dois avoir en toi ce désir de faire le héros tien. Peux-tu continuer à taire ces sentiments? Un lien très fort les unit à travers les âges. Je ne peux le briser ou m'immiscer entre eux. tu es incorrigible. La Triforce! Oh, un cercle magique! Ça veut dire tout le monde repart chez soi? Maintenant, c'est à vous tous de jouer. Ouais, chacun retourne dans son époque respective. Au revoir! Rendons à Hyrule son apparence d'origine. Bye bye le crépuscule. On a eu bye bye dans les trois. On a rendu l'époque, l'apparence d'origine dans les trois époques. Voilà, Hyrule restauré. Je vais retourner à mes occupations de sorcière. Lana, est-ce que nous nous reverrons? Au revoir. J'imagine le truc de façon Discord. Au revoir. Porte des âmes scellée. Un petit oiseau. C'est pas si facile que ça, hein. Je crois qu'il en reste encore. Oh! Vous avez vu comment on se fait acclamer, c'est beau, non? Ouais, et le blason de la famille royale qui flotte. J'allais dire, c'est pas tout à fait fini. Oh! C'est le dernier fragment d'âme, ça, non? Trois avaient été restaurés, voilà le quatrième. Je me disais aussi! J'avais vu qu'il y avait 18 combats, on est au 13ème, ça peut pas être terminé! Oh, bonjour cher monsieur. Toubi, continue Ed! Donc voilà, on a triomphé en 16 minutes 14 avec 2559 kills, donc on passe à 161 000 rubis. Donc on a un grimoire du sceau pour Lana, un grimoire de l'esprit pour Lana, une ombrelle de papillon pour Macaon, le lyre des tempêtes pour Shake et une épée des démons pour Jiraim. On a donc un sceptre de Sia, un ornement du casque de Volga, 3 bracelets de Sia, 5 souffles d'âme de glace, 10 crocs de Dinolfo et 11 dents de monstre. Et donc comme on a eu la sculpture là,
qu'on a une illustration donc avec Lana, Yazella, je me demande si ce serait pas un truc qui montre la pochette du jeu, quelque chose comme ça. Au moins 3 morceaux d'amélioration récoltés. Stand amélioré, il vaut suivant 12 morceaux. Les potions du flacon sont plus efficaces, les élixirs à concocter sont plus nombreux. Oh my! Ok, donc Volcan d'Ordine, Sia la sorcière noire. On va pouvoir jouer Sia. Ouh, intéressant. Qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre? Ok, Ganondorf dans le désert Gerudo. Ok, donc maintenant j'ai l'impression qu'on joue les méchants. Et je crois qu'on a un nouvel arc qui vient de s'ouvrir. Là, on a deux nouveaux arcs qui viennent de s'ouvrir. Celui de Sia et celui de Ganondorf. Ça veut dire qu'on a peut-être encore un peu plus de choses à faire que ce qu'on pensait. Vous savez quoi? Je pense qu'on va partir du côté de Sia dans un premier temps. Si rien ne se débloque, on partira vers Ganondorf. Ou au pire, on va essayer d'alterner Sia, Ganondorf, histoire de voir ce qui se passe. Bon. Après je dis ça, mais si ça se trouve, il y a peut-être qu'une seule bataille des deux côtés, j'en sais trop rien. On verra ce que ça donne. Par contre, une chose est sûre, les gens, c'est qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Hyrule Warriors. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas en plus à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La plus grande question, ça fait plaisir, les moments épiques et les fails avec les hashtags si vous connaissez la musique. Mais en attendant, je sais pas si c'est l'arc complet ou en tout cas la première partie de l'histoire de Sia la sorcière noire. Une chose est sûre, on sera fixé demain. Moi je vous laisse ici, je vous remercie encore mille fois de votre soutien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!